va former quand même une équipe avec les pilotes de bateau. Hein. Ce sont nos anges gardiens qui vont nous faire la sécurité, mais aussi qui vont permettre peut-être aussi de gérer les caps à suivre. Et en fait, c'est une équipe qui marche sur l'eau, quoi. Pas trop de pression là. Ouais, enfin, on essaie de l'oublier la pression. On essaie de rigoler un petit peu et puis on change les planches, on s'occupe de ça. Et puis là déjà, on va passer un bon moment en traversant déjà. Ça nous permettra de repérer une petite partie du parcours. Voilà. Je sais pas vraiment quand est-ce qu'on va partir, mais c'est agréable. Et puis on rencontre encore d'autres personnes, c'est sympa. Ça y est, la course va démarrer. C'est pas forcément ce logement, plutôt la pression qui va monter là. Jusque là, j'avais pas l'impression de réaliser, et maintenant qu'on part, je me dis que bon, bah va falloir y aller. Qu'elles soient distribuées, à ce que la course se passe bien pour tout le monde. Donc voilà au niveau un petit peu du timing. Il y aura le départ vers 6h. Olivier va donner le signal de départ avec une corne. Vous allez tous entendre. Préparation de marquage, de mettre un drapeau. Entre temps, les planches sont sur les bateaux. Donc il y a un petit micmac à faire pendant 3 quarts d'heure avant le départ demain matin. On laissera un petit quart d'heure à tout le monde. La météo va être parfaite normalement. C'est-à-dire que le vent et les vagues sont dans la bonne direction pour que l'épreuve se déroule bien. Il n'y a ni trop de vent, ni pas assez. Ça va être une super journée, je pense. En tout cas, des conditions parfaites pour la course. Dernière recommandation dans ce briefing. Rappeler le parcours aux concurrents, que la plupart connaissent déjà, mais dans les détails, en fonction de la dernière météo qu'on a pu prendre. Et puis, redonner les consignes de sécurité à tous les concurrents et à tous les pilotes de bateau, parce que ça va être une longue journée malgré tout, 60 km ou 55 km, c'est long et ça va être éprouvant pour tout le monde. Comment ça va? Jusqu'ici tout va bien. Le plus dur, ça sera à l'arrivée. Si on arrive jusqu'au bout, c'est le but aujourd'hui d'arriver. Le réveil difficile et enthousiaste à l'idée de commencer The Race. Enfin, ça arrive. Laurent? Au départ, on l'attendait depuis longtemps, ça y est, on y est. Ça y est, on y est, 1er mars, il est 6h10, on part dans 20 minutes, c'est parti. On y est à la Le président de l'association devient le coureur. Mais il est temps, hein, parce que j'ai l'impression qu'il montait un petit peu avec l'organisation, et une fois que je serai parti, ça va. J'aurai d'autres préoccupations, mais le stress sera retombé. Le parcours qui s'annonce, c'est vraiment pas rien. Donc déjà, d'arriver jusqu'au bout, ça sera un énorme exploit. Les paddles, on se prépare. On regroupe, venez. Voyez avec vos équipes. On va faire une première inédite.
maintenant, je vous laisse une petite minute de concentration. On se tient la main au son du cas. Thank you.
Joli, joli, joli.
connais bien la Guadeloupe, ça fait 3 ans que je viens. Et je sais qu'il y a un gros, gros potentiel pour le downwind ici. J'ai commencé le stand-up il y a 6 ans maintenant. Et je me suis mis au surf cette année, justement, le vrai surf cette année. Donc ça fait 6 ans que je surfe dans les vagues en stand-up paddle. Et ça m'a apporté beaucoup, beaucoup d'aide en stand-up parce que dans les vagues, dans les bumps c'est ce qui nous pousse dans l'eau. C'est comme une vague. Il faut avoir un bon appui, une très bonne lecture de vague. Et ensuite, il faut surfer. Donc il faut avoir beaucoup de patates. Et ça, grâce à mon stand-up paddle dans les vagues que je fais, ça m'a aidé beaucoup, beaucoup. Depuis le début, je vois cette course sur Facebook. Ça fait 4 mois que je vois cette affiche des Oreilles, la plus grande course du monde. Je me suis dit, comme l'hiver, je vais en Guadeloupe, je veux absolument la faire. Et j'ai profité de ces 3 mois pour m'entraîner là. Je suis venu en décembre. Et tous les jours, on tape sur l'eau, tous les jours sur l'eau. Et la course, c'était quand même technique, surtout vers la fin, à 1 heure de la fin, avec le canal des Saintes, ça bougeait dans tous les sens. Mais ça reste du plaisir pur, quoi. Une compétition superbe. Dimitri, personne n'attendait à ce niveau. Et là, il a vraiment tout fracassé. Il est nettement devant les deuxièmes et les troisièmes qui sont en train de batailler sur le parcours. Trop sûr. Très ému à l'arrivée. Ah oui, pour moi, c'était... J'ai pas pu résister. Parce que c'était très fort. C'est quoi la suite? D'autres courses encore plus grandes, pourquoi pas? Des courses de 100 km, 150, objectif. Et si on peut faire ça à plusieurs, pas forcément pour avoir un podium, mais pour faire des causes contre le cancer ou autre chose, ce serait un plaisir. C'est un parcours qui a bien glissé. C'est vrai que Dimitri, qui gagne aujourd'hui, a pris sûrement une trajectoire qui était plus intéressante que la nôtre, hein, parce qu'on s'est rendu compte que naviguer à la côte était beaucoup plus facile. C'est vrai que nous, on avait une trajectoire beaucoup plus sud. Et quand on a passé le phare, on s'est rendu compte qu'il était devant nous, et c'est très fort de sa part. Bien joué. On s'est livré une grosse bataille avec Stéphane Baudet de la Guadeloupe. Donc moi j'ai été très longtemps devant et il est revenu sur moi juste à la fin, et c'est pour ça qu'on a pris plaisir à terminer ensemble. Il y a un chiffre qui est parlant. J'ai fait un meilleur temps que Kawhi, donc sur le même parcours, à peu près la même distance. J'ai mis une demi-heure de moins, donc un parcours encore plus glissant que Kawhi. Donc c'est une bonne référence. Voilà, on est content, tout le monde est content d'avoir eu un parcours comme ça. Maintenant, j'espère que tout le monde va arriver, puisque tout le monde n'est pas arrivé. Et il y en a, je pense, qui ont encore quelques heures à ramer. Il va falloir passer à autre chose pour la deuxième. L'idée, ça sera d'avoir encore une meilleure organisation. On va faire un débriefing pour voir ce qui a été super bien fait, ce qui a été moins bien. Mais après, le parcours, il n'y a rien à dire, on le valide, il est parfait. Donc c'est à refaire et sans aucune hésitation. Très serré, imaginez après
5h40 en course. Franck Henkel qui termine la course et qui vont s'arracher. Franck prend donc quatrième, qui prend la quatrième place. Pierre Neuf, cinquième. Félicitations à eux. En 5h39. Et donc il termine quatrième au sprint avec Pierre Neuf, donc qui finit cinquième. Et donc Stéphane qui remporte un séjour à Marie-Galante. On a vraiment mis de la distance entre Thomas et Fred parce qu'on avait peur de trop vous talonner. Vous savez, Arnaud et tout ça. Donc Arnaud, Christophe et Xavier qui ont transpiré. Alors en ce qui me concerne, je suis super fier de l'accueillir parce que c'est un très très bon. Il a un super mental et à mon avis il va aller super loin. Et donc Stéphane est l'habitué des podiums, le leader incontournable des courses de longue distance en Loisir. Donc à mon avis, bah juste pour vous dire que là aujourd'hui c'est vraiment un événement magnifique et vous avez déjà pas grand chose à améliorer. Donc Dimitri qui nous vient de l'ignorer, il faut savoir aller au plus court et au mieux, et Dimitri aujourd'hui a fait le route simplement la route idéale. Donc bravo, tout était là pour gagner et ça tombe bien, il a gagné. Merci à tout le monde. C'est incroyable, c'est un super donné, je suis éclaté. J'ai pris tout mon pied, voilà. C'était dingue.